Vous connaissez l'auteur de cette citation que nous avons prise à notre compte en nous posant la question, puisque le Congo se trouve dans l'Afrique, et si le Congo refusait le développement? Aujourd'hui, nous allons conclure ce sujet qui nous a pris quand même quelques bonnes émissions. Les invités sont restés les mêmes. Maître Justin Magala, Monsieur l'abbé José Pundu. Monsieur l'abbé Maître Magala, vous m'excuserez de vous surprendre parce que nous ne sommes pas toujours autour de la politique. Quelqu'un disait, si vous ne vous occupez pas de la politique, la politique s'occupera de vous. Vous savez qui l'avait dit? Un Congolais. Un Zaïrois. Ok. C'est le maréchal Mobutu. Voilà, je vous surprends. Bon, alors, si nous ne parlons pas de l'actualité, on nous dira, mais ces gens-là, même ceux qui nous suivent en Europe, nous diront, mais ces gens-là, est-ce qu'ils ont les pieds sur terre? Ma question est très courte et l'appel de réponse courte. Monsieur l'abbé, changement de constitution, oui ou non? Changement ou révision, ce sont des choses qui sont prévues par la constitution elle-même. Et donc, nous avons connu des changements de constitution dans ce pays. Nous avons connu des révisions de constitution dans ce pays. Donc, ce n'est pas là le problème. Le problème, ce n'est pas de savoir si oui ou non. Non, le problème, est-il opportun aujourd'hui de procéder à un changement de constitution ou à une révision de la constitution? Est-il opportun aujourd'hui? Réponse: inopportun. Maître Magala. Je suis tenté de suivre M. l'abbé sur ces champs-là. Je crois que c'est une constitution qui date de 2006 et que donc là, elle est encore en pleine période de mise en œuvre. Qu'on laisse une chance à la constitution, que nous en tirions le meilleur. Et ensuite, on avait prétendu que c'était une constitution de belligérance, d'après-guerre. Je crois que la belligérance n'est pas finie et que nous sommes toujours en guerre. Donc, on n'a pas beaucoup évolué. Je crois que ça, c'est le deuxième point. Et enfin, je crois qu'on doit prévoir ou déjà projeter si on doit changer, mais que ça soit pour le mandat prochain. On ne change pas les règles du jeu en plein match. Ben, moi, je réponds, pourquoi alors de procès d'intention? Peut-être qu'on voudrait changer, pas pour le pouvoir actuel, mais pour le prochain, pour la République prochaine, pourquoi pas? Est-ce qu'on peut arrêter là ou vous... Arrêtons là, hein. C'est bon. Merci, vous êtes gentil. Et si l'Afrique, et si le Congo ne voulait pas le développement? Monsieur l'abbé, je vous donne la parole. Vous avez eu des mots très justes dans les émissions que nous avons animées ensemble. Je voudrais revenir sur quelque chose qui me paraît très important. C'est le concept même de développement. On nous a créé un concept, développement, sous-développement, et on a dit il y a des pays développés et il y a des pays sous-développés. Qui a décidé, selon quels critères, selon quelles normes on décide que nous sommes des pays développés et les autres sont des pays sous-développés ou, disons, en voie de développement, n'est-ce pas? Mais le critère, c'est le critère économique. C'est le critère économique. C'est là où l'économie prospère, entre guillemets, n'est-ce pas? On dit c'est un pays développé. Et là où l'économie ne prospère pas, où boite, n'est-ce pas, on dit, c'est un pays sous-développé, ou un pays en voie de développement, pour être plus gentil, n'est-ce pas, on dit en voie de développement, n'est-ce pas. Moi, je dis, il est temps que nous puissions donner au concept développement, je dirais, une compréhension plus globale. D'accord. Plus systémique. D'accord. Systémique. C'est-à-dire que le développement ne concerne pas uniquement l'aspect économique, l'aspect financier,
l'aspect matériel, mais le développement, c'est le développement de tout l'homme, de tous les hommes, donc de l'homme, de tout l'homme, de tous les hommes. Et en ce moment-là, l'homme dans toutes ses dimensions. Il y a la dimension matérielle, bien sûr, dimension biologique, hein, et tout. Et il y a la dimension spirituelle, il y a la dimension sociale. Moral. L'homme a une dimension sociale, n'est-ce pas? Et c'est toutes ces dimensions de l'homme qui sont concernées par le développement. D'accord, M. l'abbé. Oui, Maître Magala. Merci. Vous savez même que l'auteur de cette phrase, la dame Axel Kabou, qui est sénégalo-française, en disant cela, quand vous lisez son livre, elle cherche à situer le mal. Où exactement que le problème commence. Parce que, comme dit M. l'abbé, on s'est acharné sur la question économique pour parler de développement. Mais vous verrez que elle, dans sa recherche de réponse, elle est aussi, elle a des tendances très économiques. C'est comme ça que vous pouvez vous retrouver avec des pays très avancés, mais qui sont dans un certain giron, et on leur colle abusivement le qualificatif de développé. Parce que franchement, sur le même terrain, quand vous comparez la Belgique à la Turquie, et qu'on dise que la Belgique est développée, vous vous posez des questions. Quand vous comparez la Belgique à la Russie ou à la Chine, il y a des problèmes sur lesquels il faut... Mais comme c'est l'homme qui doit piloter ce développement, même économique, il faut que l'homme soit lui-même développé à son niveau. Et on se développe par rapport à son concept de développement. C'est-à-dire que quand l'Occident nous a trouvés, avant qu'on abuse de nous par la colonisation, on avait un modèle de développement avec l'Empire Congo, avec l'Empire Cuba. On était avancé. L'Égypte avait un modèle de développement qui n'était pas axé sur la même réflexion occidentale. Donc, ils étaient développés par rapport à eux et ils donnaient des solutions aux problèmes qui se posaient à eux-mêmes. Et c'est ça le développement, c'est-à-dire c'est de donner des solutions aux problèmes qui se posent. Il faut que les gens vivent dans un environnement serein sur tous les plans. D'où autant l'expérience de l'éducation de l'homme, mais aussi en conclusion, c'est le devenir de l'homme. En fin de compte, qu'est-ce qui est majeur? C'est de former des hommes diplômés ou d'avoir des gens qui donnent des solutions. C'est toute la différence. Vous savez, quand vous êtes en Occident, on vous demande le diplôme. Mm-hmm. En Afrique, on vous demande qui vous a recommandé. Aux États-Unis, on vous demande qu'est-ce que vous savez faire. Et c'est ça la différence. Mm-hmm. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on sait faire par rapport à ce qu'on veut devenir. On se forme en conséquence et on donne des solutions en conséquence. Donc c'est vraiment triste de penser économie où on dit voilà le potentiel de la RDC. Oui, le potentiel est après. C'est l'homme qui doit changer ce potentiel là qui compte pour qu'on parle après de développement. Très bien. Et puis maintenant il y a le BRICS. Bon, les États-Unis ont le beau rôle. La planche à billets, on la tourne comme... Maintenant, les autres se disent, bon, nous voudrions aussi que notre monnaie puisse être une monnaie de référence. Ça va être compliqué, monsieur l'abbé. Ça va être compliqué pour une certaine conception hégémonique. Mm-hmm. Lorsque les États-Unis se prennent comme le centre du monde, comme la référence ultime, et que tout doit partir de, en fait, ce qu'on appelle, une sorte de, allez, pas européocentriste, hein, parce que ça c'est l'Europe, mais américo-centriste. Oui. Hein. Donc, l'Amérique, les États-Unis deviennent le centre du monde. Hein. Tout se fait en référence aux États-Unis, n'est-ce pas? La monnaie, eh bien, c'est le dollar.
Et c'est le dollar qui rythme la vie du monde, n'est-ce pas? C'est le dollar qui rythme la vie du monde. Et alors, évidemment, ils font tourner la planche à billets, n'est-ce pas? Donc, c'est, en fait, c'est une fausse économie. C'est une fausse économie. Et aujourd'hui, lorsque certains pays décident de ne plus se référer au dollar, eh bien, ça crée un climat de crise pour les Américains. Et ils ne veulent pas admettre cela, n'est-ce pas? Et ils font tout pour que ça ne se passe pas comme ça. Et donc, je crois qu'il est temps, hein, il est temps que nous sortions de cette dollarisation de l'économie du monde. Nous devons sortir de cette dollarisation de l'économie du monde. Parce que vous avez raison, monsieur l'abbé, parce que regardez, il y a le problème, entre Israël et... Et puis, on attend la réponse des Américains. Ouais. Les gens meurent. Ouais. On dit, mais qu'en pense... Et puis, le secrétaire d'État qui fait des voyages, on regarde du côté des Américains. C'est injuste, quand même. Parlons peu, parlons bien. Bah, c'est injuste, mais... C'est ça, la logique. En fait, on avait un monde bipolaire avec l'Union soviétique. Avec la chute du mur de Berlin, on s'est retrouvé avec un monde monopolaire, tournait autour des Américains. Et aujourd'hui, on n'a pas quitté. Même quand on dit c'est la communauté internationale, c'est-à-dire les États-Unis et ses alliés. En fait, l'Europe compte plus sur les États-Unis que sur elle-même. Et c'est ça le problème. On ne sait pas faire confiance aux dépendants, parce qu'ils sont autant dépendants que nous. Mm-hmm. C'est pour ça que les solutions comme les BRICS ou comme la Chine ou comme... sont des solutions qu'il faut exploiter. C'est-à-dire que tu veux, par exemple, acheter du pétrole, tu l'achètes en monnaie de l'Arabie Saoudite. Tu l'achètes en monnaie russe. Tu veux acheter, je sais pas moi, du cuivre congolais, tu l'achètes en monnaie congolaise. Et puis, on va faire une péréquation à un moment pour équilibrer les monnaies. Parce que si on rentre vraiment aujourd'hui, les dollars reposent sur quoi? Oui, parce que même la guerre dont vous parlez, vous verrez que il y a un souci sur la bande de Gaza. Il y a des gisements qui rapportent autour de 3 milliards, je crois, par an. Oui, d'après les dernières informations. Ça dépend de qui contrôle, qui gagne cet argent-là. Donc, ce n'est pas totalement une guerre désintéressée. C'est toujours ça. Donc, on laisse... Aujourd'hui, les États-Unis sont rentrés parmi les meilleurs producteurs de pétrole, mais des schistes, c'est-à-dire qu'ils font par des fragmentations, ce qui est une méthode très, très demandante en termes d'eau. Oui. Et ce n'est pas évident que ce soit un pétrole propre, entre guillemets. Donc, nous devons réfléchir sur nos réalités, sur ce que nous voulons faire. Parce que quand nous sommes dans cette communauté internationale, on doit y être, mais on vous dit que nous sommes un pays très endetté, un pays pauvre, très endetté. Et cela se fonde sur la dette que nous leur devons. Mais ce sont des créances où les intérêts portent plus que le capital investi. Ça pose problème. Comment voulez-vous que... On s'endette, on prenne une créance pour l'utiliser dans un programme que eux demandent qu'on fasse. On peut prendre des dettes pour les vaccins. Des vaccins pour des maladies qui probablement n'arriveront jamais en Afrique. Mais on doit s'endetter pour. Et ça porte des intérêts à ne plus en finir. Et un jour, on vous dit, vous êtes un pays pauvre et très endetté. Et nous, on est d'accord, on se retrouve dans les PPTE, pays pauvre et très endetté. Et on y va en costume. Très confortablement. Oui, on dit. Et nous venons encore rajouter à cette créance-là. Mais quand vous voyez comment nous débarquons plus que ceux qui vont nous donner leur argent. C'est-à-dire, vous verrez la délégation congolaise, franchement, avec des kilomètres de véhicules,
alors qu'ils pouvaient loger dans les meilleurs hôtels, alors qu'ils sont venus demander l'argent. Donc c'est pas seulement le Congolais, hein. Ce sont les Africains. Les Africains, ils arrivent et ils louent des limousines, alors que d'autres pays viennent à deux pour assister à l'Assemblée générale. Oui. Une voiture, bien, mais pas de grande marque. Mais c'est même pire que ça. C'est-à-dire que nous, les Africains, nous donnons de l'argent au président occidentaux pour leur campagne électorale. Ensuite, nous allons demander à avoir une créance. Mais c'est nous qui avons financé. Voilà. Ça n'a pas de sens. Si nous avons cet argent-là pour financer, mais utilisons-le ici. Parce que vous verrez que vous avez lu, je crois, la dernière sortie de Bourgie. C'est flagrant. C'est en termes de millions que le président africain finance les campagnes européennes. Mais si tout cet argent-là existe, et puis on va dire la magnanimité du chef de l'État, c'est-à-dire quoi, la magnanimité, on touche à quelle caisse? C'est l'argent du pays. Et nous le faisons, et ensuite nous allons nous endetter. C'est ça, refuser le développement, parce que nous pouvons l'utiliser ici même, chez nous. Mais si vous refusez, vous connaissez, je ne révèle aucun secret, un jour... Vous savez, M. Chirac, quand il dit « je suis venu voir le maréchal », etc., c'est à mon micro, hein, Alors, on prend une mallette, on va déposer dans sa voiture, et puis un garde du corps vient nous dire « mais la maman a demandé, mais... » Le maréchal a répondu en Kingwandi, mais si tu ne fais pas ça, tu ne restes pas. J'espère ne pas révéler beaucoup de choses de mon livre, mais enfin, c'est ça qui est un peu choquant. Mais si tu ne fais pas ça, tu pars. Mais même si tu le fais, tu pars quand même, oui. Puisque Gbagbo est parti quand même. Oui. C'est terrible. Oui, c'est terrible parce que ça révèle le complexe dans lequel nous vivons. Un complexe, je dirais, d'infériorité. Un complexe d'esclaves. Esclaves, je dirais, consentants. Des esclaves consentants. Et ça, c'est ce qui est grave. L'esclave, il est toujours consentant, il peut... Non, il ne peut pas. Mais l'esclave consentant, c'est plus grave que l'esclave qu'on a pris de force. Oui, oui, oui. Vous voyez, hein? L'esclave qu'on a pris de force, hein, il n'est pas consentant, n'est-ce pas? On l'amènera à consentir à son état, à sa situation, hein, d'esclave. Mais là, il s'agit de quelqu'un qui consent, je dirais, librement, hein, d'être esclave, n'est-ce pas? Et qui se dit, si je ne le suis pas, je n'existerai pas. Voilà. Hein? Et comme tu disais tout à l'heure, l'autre qui dit, eh bien, si nous ne faisons pas ça, on va nous débarquer du pouvoir. Hein? Mais ça signifie quoi? Ça signifie un aveu que le pouvoir, en définitive, ne vient pas du peuple, mais vient des autres. Et pour être maintenu au pouvoir, il faut corrompre. Utilisons les termes qui sont réels. Il faut corrompre, n'est-ce pas? Donner de l'argent à ces gens-là pour qu'ils vous maintiennent au pouvoir. Et comme tu as dit, à un moment donné, lorsqu'ils n'auront plus besoin de toi, eh bien, que tu le veuilles ou non, ils te feront partir d'une manière ou d'une autre, n'est-ce pas? Alors, je crois que le vrai développement de l'Afrique, du Congo, commence par le développement de l'homme africain, de l'homme congolais. Et un développement qui signifie en même temps une libération. Parce qu'on ne peut pas concevoir développement sans libération. Le développement, c'est celui qui est libéré mentalement, qui est libéré spirituellement, qui est libéré humainement, n'est-ce pas, et intellectuellement, n'est-ce pas, qui est libéré intellectuellement, et qui peut poser des actes qui répondent à ses besoins, n'est-ce pas, et des actes, je dirais, rationnels, réfléchis, n'est-ce pas, et qui relèvent de sa liberté, de la raison. Monsieur l'abbé, il y a, Modeste Bonigaba avait dit un jour, moi je crois que dans ce genre de choses, mieux vaut demander
au peuple. Et le peuple, si le peuple se met debout, tout le peuple, pour dire, bon, topé sabangom bongo, non, on sort, tout le monde sort, les gens vont commencer à se dire, ah ben il y a un changement ici. Mais si certains sortent, d'autres restent, on commence à mesurer, il y avait combien de manifestants. Mais si tous, parce qu'on a pris conscience que ça, nous ne pouvons plus faire, on refuse l'esclavagisme, s'il faut mourir, nous acceptons de mourir, eh ben, les choses changeront. Les choses changeront si nous y mettons du nôtre. Mais tout c'est le monde. Nôtre, là. C'est ça, il faut que tout le monde y mette du sien. C'est-à-dire que nous connaissons comment les gens arrivent au pouvoir aujourd'hui, mais c'est leur façon de gérer aussi. Or, cette façon de gérer ne peut pas changer tant que l'homme lui-même n'a pas changé. Parce qu'on n'a plus dans un, on n'a plus de régime d'homme seul. Maintenant, c'est c'est un groupe d'individus qui est du même avis. Vous voyez partout en Afrique, c'est-à-dire, quand on décide de changer, on amène avec soi tout un groupe. Magufuli a amené un groupe vers les changements. Vous verrez, son pays aujourd'hui, il fait des enjambées terribles en termes de développement. Et c'est ça, c'est-à-dire qu'il a donné une pensée et les gens ont adhéré. Ça fait longtemps qu'on parle de Nyerere par rapport à sa pensée. C'est-à-dire qu'on n'a pas laissé les gens comme Lumumba s'exprimer ou Kwame Nkrumah qui sont partis trop tôt, mais il y a une façon, il y a des visions à avoir. À la dernière émission, on parlait de vision, justement. Je prends aussi un cas d'actualité. Aujourd'hui, avec tout ce que nous avons comme problème de transport, on essaie l'essence unique. Oui, mais les tracés des routes que nous avons datent de quand il y avait 400 000 habitants à Kinshasa. Dites-moi, depuis 60, on a construit combien de routes à Kinshasa? Donc, c'était prévu pour 400 000 personnes. Aujourd'hui, nous sommes à 18 millions, avec tendance à aller plus. C'est-à-dire que aujourd'hui, Kinshasa est plus peuplé que Paris. Kinshasa et Pékin, parce que Pékin doit être autour de 22-23 millions, se suivent vraiment à la lettre. Bon, avec... Cette comparaison, mes frères. Oui, nous sommes au-delà des 18 millions d'habitants à Kinshasa, sur 9000 km², je crois. Donc, on est dans une république seulement à Kinshasa, plus qu'une république. C'est-à-dire qu'il faut... C'est comme 12 Gabons mis ensemble, ici à Kinshasa. Bon, alors, on ne peut plus continuer à réfléchir en termes de route. Il faut un transport de masse. Il faut le train. On peut faire les sens uniques comme on veut. Ça ne va pas marcher simplement parce qu'il y a trop de monde. Il faut un transport de masse. Il faut exploiter les trains, il faut les bateaux. Les bateaux pour... C'est un grand boulevard, le fleuve avons ici. Oui. C'est sur ça qu'il faut réfléchir. Quand on dit aujourd'hui que Paris est la meilleure ville en termes d'organisation des transports, c'est vrai, mais les métros... Il y a le métro, il y a le train, il y a le bus... Mais rien que le métro, ça a pris 100 ans pour qu'on construise le métro de Paris. Donc, il ne faut pas commencer... On ne doit pas se cacher derrière son doigt à dire qu'on va faire les sens uniques. Mais sur ce que quand on fait les sens uniques sur votre route, M. Kibambi, la route du fleuve, avenue tourisme, avec un kilomètre d'ornière qui bloque toute la circulation. C'est-à-dire que qu'on soit en ligne, sans un sens ou un autre, il y aura bouchon. Il y aura bouchon parce qu'il y a les zones, il n'y a pas de route. C'est ça le problème. Quand vous avancez vers Kinsuka, comment, pompage, il n'y a pas d'arrêt bus. Vous voulez que toutes ces manœuvres giratoires se fassent où? L'État doit exproprier, s'il ne l'a pas prévu en construisant, exproprier pour cause d'intérêt public et vraiment compenser le manque pour les gens qui vont partir et construire des arrêts bus ou là où construire des marchés. On ne peut pas dire qu'il y a un embouteillage. Pire, on est surpris qu'il y a un embouteillage. Non. Si d'ici 5 ans, on sera 25 millions, quelles sont les dispositions prises aujourd'hui pour préparer les transports de 25 millions? Il ne faut pas qu'arriver dans 5 ans, on soit encore surpris.
C'est comme on l'a été avec les pluies. Bon, d'ailleurs, c'était une seule pluie. on est surpris, non, le Kinshasa est sous eau. Oui, mais... Mais je voudrais qu'on revienne, monsieur l'abbé, maître Magala, sur ce consensus. Est-ce que c'est possible de faire un consensus aujourd'hui auquel adhérerait tout le monde? C'est-à-dire, vous donnez une idée et tout le monde est d'accord. C'est difficile, hein? C'est difficile peut-être, mais ce n'est pas impossible. Parce qu'il y a des idées lumineuses qui peuvent faire... Ce n'est pas impossible. Le problème, c'est d'avoir, je dirais, des intelligences, des lumières, n'est-ce pas, qui éclairent. Aujourd'hui, le grand problème, à mon avis, et qui participe à ce qu'on peut appeler le refus du développement, c'est l'absence d'une intelligentsia, de l'intelligence qui éclaire, n'est-ce pas? J'ai parfois l'impression... Qui travaille pour l'intérêt général. J'ai parfois l'impression, lorsque je vois le mode de fonctionnement de nous, hein, Congolais, que nous avons refusé et nous refusons de réfléchir. Nous refusons de réfléchir. On est plus dans le sentimental, plus dans l'émotionnel et pas dans le rationnel. Vous voyez? Vous savez, moi je suis psychologue, hein, clinicien, et il y a ce qu'on appelle analyse transactionnelle. Dans l'analyse transactionnelle, il y a les états du moi. Hein, c'est, juste rapidement pour donner une idée, les états du moi, c'est l'état du moi parent, l'état du moi adulte et l'état du moi enfant, hein, PAE. Hein. Eh bien, nous, Congolais, dans notre mode de fonctionnement, nous sommes soit dans l'enfant, hein, l'état du moi enfant, soit dans l'état du moi parent, mais plus dans l'état du moi enfant, qui est l'état du moi émotionnel. Vous avez raison. Monsieur l'ami, je donne un exemple par rapport à ce que vient de dire Maître Magala. Ces gens qui savent qu'il y a un embouteillage, qui voudraient quand même dépasser tout le monde pour aller devant, mais ils ne savent pas qu'ils compliquent encore davantage la situation, comme s'ils étaient enfants. Alors, quand ils arrivent devant, ils exigent qu'on leur donne... des sorties. Mais c'est idiot, c'est imbécile. Oui. Donc, l'état du moi état d'enfant. Hein, le sens sentimental. Ce sont les sentiments, ce sont les émotions, n'est-ce pas? Tandis que une société qui voudrait se développer devrait partir de l'état du moi adulte. C'est-à-dire la raison, la réflexion, le questionnement, la remise en question, n'est-ce pas? Ici, on n'aime pas les gens qui posent des questions. On n'aime pas des gens qui réfléchissent. Combien de fois, même comme curé de paroisse, combien de fois je n'ai pas entendu des paroissiens à qui je pose la question de savoir pourquoi tu voudrais faire ça? Pourquoi alors, on dit, ah, il y a Alinga, logique. Azamouta, logique. Azamouta, logique. On n'aime pas la ratio. On refuse la ratio, n'est-ce pas? Et même dans nos milieux ecclésiastiques, hein, lorsque tu poses des questions de fond, tu es mauvais. Tu es mauvais. Mais c'est compliqué. Hein. Ah oui, c'est compliqué. Hein. Et dans notre société, regarde ce qui se passe. Hein. Allez, on a abordé tout à l'heure, au départ, cette fameuse question de la Constitution. Mais est-ce qu'on se pose des questions de fond? D'où vient cette Constitution? Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Dans quel contexte ça a été élaboré? Et aujourd'hui, est-ce qu'il ne faudrait pas un forum, des assises, je dirais, de refondation de la nation, si on veut arriver à un changement ou à une révision? Du moins, il faut réfléchir, se poser des questions essentielles, fondamentales, qui vont nous amener, à partir des réponses qu'on va donner, des réponses objectives, des réponses qui vont nous amener à nous entendre, à un consensus, pour que nous puissions évoluer, donc nous développer, n'est-ce pas? Donc il y a quelque part un problème sérieux de réflexion critique, d'analyse critique. Oui, monsieur l'abbé, je vous pose à vous la question. N'est-ce pas parce que
nous sommes dans une société de jouissance. Parce que celui qui a voudrait, hein, je suis PDG, je voudrais le demeurer, et donc je me refuse à toute intelligence pourvu que je sois là. Oui, c'est même patent. Flagrant. C'est, d'ailleurs, avant de répondre directement à cette question, ce que M. Lavé dit trouve tout son fondement dans l'avant-propos de la Constitution. L'avant-propos fait partie de la Constitution. Mm-hmm. Ça explique pourquoi ceci a été fait. Mm-hmm. Maintenant, pourquoi c'est que, comme demande M. Kibambi, pourquoi ça ne marche pas où les gens veulent, sont vraiment en pleine jouissance? C'est parce que le moi enfant mm-hmm. n'a pas connu d'adulte des repères, des mmh. références. Mmh. On n'a pas de modèle. Bon, peut-être pas nous, mais en tout cas, la jeunesse aujourd'hui n'a pas de modèle. C'est, même l'enfant d'un PDG, il ne voudra faire que ce qu'il a vu faire son père. En fait, l'enfant copie. Mmh. Il se dit, si papa l'a fait, c'est que c'est bon. Mmh. Or, aujourd'hui, nous avons des papas qui brillent par l'incompétence, autant à la maison qu'au travail. Ils ne sont pas à la hauteur de ce qu'ils sont appelés à faire. PDG, ministre, ils ne sont pas à la hauteur. Certains. Oui, certains, pas tout le monde, il y a toujours des exceptions. Certains ne sont pas à la hauteur, mais ils ont des enfants qui les copient. Et les enfants ne feront pas autre chose que ce qu'ils ont vu faire. Où sont les modèles? Il n'y en a pas. Ça fait combien d'années qu'on crie qu'on ne peut pas continuer à évoluer dans ce pays sans banque nationale? Ça fait combien de temps qu'on dit? Il faut une banque d'investissement. Oui, mais depuis la BCA, la Banque de Crédit Agricole, mm-hmm. ça fait 25 ans qu'on n'a plus de banque comme ça. Donc, comme l'activité commerciale est financée par les banques, et que c'est l'activité commerciale, donc les petites et moyennes entreprises qui créent la richesse, qui crée le travail, et qu'on n'a pas d'instrument de soutien pour accompagner ces petites et moyennes entreprises, ça sera difficile. C'est un piège terrible. On va tourner en rond. Et quand on dit économie, comment social on dit, de marché. Oh oui, même quelle que soit l'économie qu'on dirait, en fait, on est tourné vers l'extérieur. Pire, parce que même l'extérieur est aujourd'hui ici. Mm-hmm. C'est-à-dire que partout, c'est indien, c'est chinois, c'est indo-pakistanais. Et libanais. Ils viennent faire leurs richesses ici. Ici, et nous, on est en train de dire que ça ne marche pas. Nous, on observe quoi? Parce que on doit se mettre dans la danse. Mais nous, on brille par quoi? Ce qu'on a en plus grand nombre comme entrepreneurs congolais sont les églises. C'est-à-dire que vous verrez les églises qui vous donnent un programme de lundi à 8h. Mais il y a un problème. On peut comprendre que ça soit fait pendant un moment spécifique. Ok, on est en période de carême, on aura un. Mais ça ne peut pas être la vie de l'église de se dire, nous on a prière chaque lundi et se plaint. Bon, vous travaillez quand? Parce que vous parlez de travail. Est-ce que vous avez observé ce phénomène de nos amis expatriés qui viennent proposer des choses à la maison. Ils viennent jusqu'à la maison, ils frappent, ils vous proposent des casseroles et tout ça. Vous allez payer après 30 jours. Mais pourquoi nous-mêmes, on ne fait pas ça? Dans ce genre de commerce, le temps d'attente, le déplacement de ces gens-là est compris dans le prix auquel vous vendez. C'est dans le prix. Ils ne perdent rien. C'est dans le prix. En fait, ils rapprochent les services du consommateur. Et vous êtes tenté d'acheter ce que vous, l'histoire dont vous n'aviez pas besoin. Simplement parce que c'est venu, c'est beau, et puis bon, vous vous retrouvez endetté sans trop le vouloir. Et vous souviendrez qu'à l'époque où Monsieur l'abbé et moi grandissions, ce sont les Sénégalais qui venaient
donner des wax. Il vous donne, hein? Mm-hmm. Il vous dit, bon, dans un mois, je viendrai. Alors, comme il y avait un mythe, on disait, ce qui est au Sénégalais, aux oies l'issouma, c'est ça, aux oies, c'est quoi, aux oies l'issouma, c'est passé, passé. Mmh. On a compris, aux oies problème, hein, bagolokayo. Bon, alors les mamans prenaient des pagnes et tout ça, et à la fin du mois on donnait du cash aux Sénégalais, et les Sénégalais sont allés prospérer chez eux. Mais non, je vous donne même un exemple d'actualité. Vous savez, à Kinshasa, là-bas, il y a 1, 2, 3 mois, on a donné le courant prépayé de très bonne qualité. Mais, de prépayé, mais les agents SNEL qui viennent installer s'entendent avec certaines personnes et on leur montre comment dévier le prépayé. Bon, vous voulez le courant, vous ne voulez pas le payer. Et puis, il sera mauvais. Il sera mauvais parce que si on n'y met pas le prix, vous-même, vous qui venez installer, vous montrez comment éviter. Enfin. Et puis on va dire, tel est le Cambo. Non, il y a des histoires que nous-mêmes, nous devons suivre. C'est notre consommation. Si tu trouves que le prépayé est trop cher, bon, réduis ta consommation. Tu peux dire, bon, je ne veux pas utiliser le courant pour préparer à la cuisinière, pour... Ok, réduis. Mais pas payer 5 dollars et puis chercher une déviation pour contourner le... Les mécanismes de paiement, ça pose problème. Et ça, c'est quand on le fait, on estime que Zayanke. Bon, or, Kianke, ce n'est pas un mode de vie. Oui, c'est ça qui nous amène au problème. On dit Yabanga ke lo kote a Zayanke. Bon, donc Atambongo à l'État ko ibaka ka Zayanke. Oui, mais ça vous amène où? Ou Azaki n'a pouvoir pendant il y a Salini, Basumbi, Bapango, tout ça. Donc, ils ne comprennent pas qu'on peut quitter un poste ministériel et ne pas être millionnaire, dit-on. À ça, les 3 ans dans le ministère, à ça, de l'autre côté, vous voulez qu'il ait quoi? Parce que... Vous l'invitez à la... C'est, monsieur l'abbé. C'est là où il faudrait maintenant ajouter un deuxième élément. En dehors de la rationalité, de l'intelligence, il y a l'éthique. Il y a l'éthique. Tout ce que notre ami maître Justin vient de dire relève de l'éthique. Ça relève de l'éthique. C'est l'éthique qui fait défaut. La raison et l'éthique. Voilà. La éthique, raison éthique, t'en prie, vulgaire comme morale. Morale, voilà. 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 Et les gens deviennent immoraux. Le Congolais, ce qui est mauvais est considéré comme un bien. Et ce qui est bien est considéré comme mauvais. C'est l'inversion des valeurs. C'est l'inversion des valeurs. N'est-ce pas? Quelqu'un qui vole, n'est-ce pas? Publiquement connu de tout le monde, après un temps, on te déroule le tapis rouge et on te lave comme si de rien n'était. Où allons-nous? Oui, comment parler de développement lorsque nous manquons ces deux éléments clés? L'élément raison, rationalité, intelligence, réflexion, critique, capacité d'analyse, n'est-ce pas? Pour voir objectivement comment les choses se passent. Et si nous n'avons pas l'éthique, la morale, n'est-ce pas? Qui doit nous guider dans nos choix, n'est-ce pas? Bien. C'est la perte, et c'est là où je peux dire que l'Afrique refuse le développement, ou le Congo refuse le développement, je dirais même pas le Congo ou l'Afrique, je dirais les Congolais, hein, les Africains, parce que le développement c'est l'homme qui le fait, n'est-ce pas? C'est pas l'Afrique comme une entité comme ça, ou le Congo comme je ne sais pas trop, non, c'est l'homme congolais, l'homme africain refuse le développement dans la mesure où il se coupe de la raison, il se coupe de l'éthique, de la morale, n'est-ce pas? Combien de Congolais lisent, par exemple, pour développer justement cette capacité d'analyse critique, cette intelligence des réalités humaines, sociales, économiques? Combien de Congolais lisent?
Vous savez qu'il y a plus de bibliothèques. Ils ont même aujourd'hui la possibilité d'entrer en contact avec des idées nouvelles, des réflexions à travers l'Internet. Combien utilisent l'Internet pour ça? Combien? On me pose une question, une famille me pose une question, est-ce que vous pouvez nous aider parce qu'on a donné comme devoir à l'enfant, un devoir, je ne sais pas, en religion, de tel sujet, n'est-ce pas? Bon, on m'envoie le sujet. Mais je vais juste dans l'Internet, je vais dans mon téléphone ou dans mon ordinateur, eh bien, je tape le sujet dans Google, eh bien, je trouve un certain nombre d'éléments, j'envoie à la famille. Et le lendemain, tu demandes à l'enfant, tu as eu combien? 20 sur 20. Donc, c'est pour dire que nous n'utilisons pas notre capacité de réflexion, nous n'utilisons pas la rationalité, on préfère vivre dans l'émotionnel. L'émotionnel. Il suffit que tu dises oui, n'est-ce pas, à telle chose, on te dit, ah non, tu es mauvais, tu es ceci. Il suffit que tu dises non, oh non, tu es contre, tu es... Monsieur l'abbé, reprenons encore cet exemple de cet étudiant qui va à l'école et il préfère tricher ou il préfère donner autre chose que son intelligence pour avoir des points. Mais cet enfant-là, il servira à quoi demain, après-demain? À rien du tout, sinon au sous-développement. Mais le problème, à l'université, tu es en médecine. Pour avoir des points, tu corromps le professeur. Et donc, il y a un problème. Il y a un problème. Et chez l'étudiant qui corrompt, et chez le professeur qui accepte d'être corrompu, n'est-ce pas? Eh bien, cet étudiant, il termine avec un diplôme, grande distinction en médecine, n'est-ce pas? Et le voilà dans la salle d'op, n'est-ce pas? Devant une situation où il doit intervenir, eh bien, il cherche son syllabus. C'est quelque chose d'inexplicable, n'est-ce pas? Pour opérer... Le jeune médecin qui sort de l'université, qui a son diplôme de médecin, n'est-ce pas? Eh bien, il doit avoir son syllabus à côté et la personne malade constate que le médecin, pour l'opérer... Il meurt avant même qu'on l'opère. Tout simplement parce que... C'est l'exemple type que vous avez pris. C'est-à-dire que même ses collègues qui l'ont vu corrompre, ils fuiront la salle d'op. Ce type ici ne peut pas m'opérer. C'est comme tu as un avocat, tu sais qu'il était tricheur. Non, tu as un avocat qui ne sait pas parler. Tu ne vas pas le consulter, tu iras chez Magala. Que les clients t'entendent. Ils vont entendre. Bon, en fait, c'est ça. Et au-delà même de ça, on a un autre problème, c'est de l'éducation financière. Ça aussi, c'est un problème majeur. C'est-à-dire, même les peu de gens qui entreprennent ici, ils confondent souvent la caisse de l'entreprise avec leurs proches. Et les proches ne facilitent pas la tâche parce qu'ils viendront, quand il y a un deuil, c'est vous qui devez tout prendre en charge. Et vous, vous dites que, bon, je suis le responsable, je prends dans la caisse. Ça ne peut pas marcher. Il faut une éducation financière. Tout à fait. Et on ne donne pas une entreprise à quelqu'un qui n'a pas le béaba de cette éducation financière. Voilà. Même pas le béaba, qui n'a pas appris la chose. Qui n'a pas appris la chose. On doit avoir ça, l'éducation financière. Et ça, c'est à tous les niveaux. C'est comme ça que, je ne veux pas parler du pays encore, où quand on faisait la dernière réunion de la commission économique et financière à l'Assemblée nationale, vous verrez que les dépenses pour payer les dettes sont plus élevées que les dépenses d'investissement dans des secteurs sérieux comme la santé, comme l'éducation. Vous vous demandez finalement la priorité était où? Ou qu'est-ce qui est la priorité aujourd'hui? Nous sommes en plein dans l'éthique. Oui. Donc, et l'éthique, et la connaissance, et l'éducation, tout ça doit aller de pair.
quand on gère son entreprise, quand on gère l'État, quand on gère une structure, même quand on est chef de classe, il y a un minimum qu'il faut. On ne peut pas, parce qu'on a une grosse, des gros biceps, ok, c'est moi le plus fort, ça ne se passe pas comme ça. Monsieur, je t'interromps pour dire ceci. À l'époque, nous, nos parents, nous disaient, par exemple, ils trouvent quelque chose de répréhensible. Ils vous disent, si tu fais ça, ta mère va mourir. Vous vous rendez compte, quand on est encore petit, hein, ma mère va mourir, mais c'est la chose la plus précieuse. Donc, ce que notre ami Achimba appelle les vigilas. Donc, les interdits. Mais il n'y a plus d'interdits. S'il n'y a plus d'interdits, il n'y a plus d'hommes. Mais même le tout jeune garçon catholique, j'étais servant de messe. Et je ne sais pas, l'idée était venue d'où quelqu'un nous a dit, même pas un prêtre nous a dit, si vous osez voler les hosties, il y aura tout plein de sang dans votre maison. Ah, qui va toucher l'hostie? On ne pouvait pas. Ah, pourtant, c'était des pas encore béni. Mais on dit, non, sinon le sang, c'est ça qu'il y avait dans nos têtes. Alors, on ne pouvait pas oser. Aujourd'hui, c'est l'interdit qui intéresse les jeunes. Mm-hmm. C'est-à-dire, quand on dit, là, c'est interdit, pourquoi ils interdisent? Nous, on doit aller voir là pourquoi c'est interdit. C'est pas normal. Donc, et les parents, et les adultes, et les enfants, comme j'ai dit, si le moi enfant ne marche pas, c'est parce que le moi adulte n'existe pas. Le moi adulte n'existe pas. Il n'y a pas de repères. Oui, un autre exemple, monsieur l'abbé, je vais scandaliser les gens, mais tu vois, il faut frapper. Moi, je me demande, les professeurs qui donnent des points sexuellement transmissibles, moi, je le trouve idiot. Vous savez, là où vous allez, là, mais d'autres sont allés, mais vous, en y allant, vous pouvez mourir, vous ne savez pas ce qu'il y a. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible et ça ne doit pas être faisable. C'est parce que il n'y a pas de sanctions. Il n'y a pas de sanctions. Quand c'est-à-dire, même, oui. Si on nous rapporte aujourd'hui que 5 ou 6 professeurs ont été chassés de l'université pour avoir fait ça, les gens vont commencer à avoir peur. Ne fût-ce que d'être attrapés. Aujourd'hui, c'est au vu au sud de tous, vous verrez un professeur avec une jeune étudiante dans un bar, en train de circuler calmement, ou vous voyez un professeur dans un bar avec des jeunes filles en train de... Je dis, bon, même pire, les jeunes filles l'appellent par son nom. Non, son petit nom, son prénom, donc vous savez, c'est le professeur Laurent Bahati, il l'appelle. Il y a Laurent. Professeur. Non, nous, on avait une peur bleue, même pas une peur, mais un respect. Une distance. Une distance. Je vous donne un exemple. Un jour, je rentrais à la maison et je vois le professeur Lunda Bouloulou qui rentrait dans mon quartier. Moi, j'étais à Banda, lui était à ma campagne. J'ai dit, bon, il va m'aider. Je lui dis, citoyen professeur, est-ce que vous pouvez m'aider? Il dit, je veux bien, jeune homme, mais je ne veux pas vous mettre devant. Vous n'êtes pas mon garde-corps, ni à côté de moi, vous n'êtes pas mon ami. On fait comment? J'ai compris que je n'avais pas de place dans cette voiture-là. J'ai compris. Aussi simplement, il ne m'a pas refusé avec brutalité, mais il m'a fait réfléchir. Il dit, vous n'êtes pas mon garde. Et puis, vous n'êtes pas mon ami. Bon, je vous mets où? Je n'ai pas ma place là-dedans. Aujourd'hui, c'est ce manque d'éthique-là qui découle aussi. Je ne sais pas si ça découle ou c'est une conséquence de ce manque de modèle, d'absence de modèle, nous amène aux situations qu'on est en train de vivre aujourd'hui dans tous les secteurs. C'est-à-dire, quand vous demandez à un enfant, un jeune, vous serez qui dans le futur? Il va vous dire, je serai influenceur sur les réseaux sociaux, parce que c'est ce qu'il voit faire. Les jeunes filles aujourd'hui, elles veulent être influenceuses sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que, et c'est que, en racontant des histoires sur TikTok, elle aura autant de vues, ça va payer autant, et puis elle va aller à Dubaï, elle va faire... Donc c'est un avenir, entre Boucher. Guillemets. Oui, mais tu ne vas pas étudier, c'est trop long. L'intelligence, ben oui. La rationalité, c'est ça
qui manque. Manque de modèle. Et qu'est-ce que nous disons bon? Qu'est-ce que nous alors, donnons comme lorsque nous parlons de modèle, le développement, puisque c'est notre sujet, le développement, ça relève aussi de modèle. Quel est notre modèle de développement? Et c'est la question que j'ai essayé d'aborder dès le début. Notre modèle de développement, c'est le modèle occidental, le modèle européen, américain. C'est ça le modèle que nous avons. Et on nous a même inculqué cela d'une certaine manière. À telle enseigne que, eh bien, si je peux me dire développer, ça doit être en rapport avec ce qui se fait en Europe ou aux États-Unis. Si ce n'est pas cela, tu n'es pas développé. Tu n'es pas développé. Oui. Et donc, je crois qu'il y a un problème de modèle de développement. Et ce modèle de développement, moi je dirais, doit être un développement endogène. C'est-à-dire un développement qui part de l'intérieur, de nous-mêmes, n'est-ce pas? Comme on dit aujourd'hui, de nos réalités, n'est-ce pas? Qui correspond à une vision que nous avons, que c'est-à-dire nous partageons. À quelque chose que nous voudrions changer demain, ouais. Par exemple. Oui. Chez moi, dans mon pays, il y a ça. Je vais pour apprendre et revenir pour changer cet état de choses, oui. Par exemple. Oui. J'ai appris la psychologie en Europe. Mais je me suis dit, pour faire mon stage, je ne vais pas faire mon stage en Belgique, ni en France, ni ailleurs. Je fais mon stage en Afrique. Au Congo, au Zaïre à l'époque. Et au Sénégal, où j'ai apprécié une approche de la psychopathologie africaine. Oui. Donc, avoir ce souci-là, avoir cette tournure d'esprit, n'est-ce pas? Qu'on fasse la philosophie, qu'on fasse la politique, qu'on fasse la sociologie, qu'on fasse l'anthropologie, qu'on fasse n'importe quelle autre science, n'est-ce pas? Eh bien, qu'on ait cette tournure de se dire, il faut partir de notre vécu. Oui. Il faut partir de nos réalités. Les affronter avec les autres. Je fais un mémoire, n'est-ce pas, sur le Ebola. Mais le Ebola, c'est une forme de psychothérapie, n'est-ce pas, africaine, congolaise, zaïroise à l'époque. Le Ebola, c'est... Ah, c'est les esprits. Ah oui, 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 même chez moi, oui. Eh bien, on bat le tam-tam, eh bien, mais voilà. L'esprit se réveille. Et ça existe non seulement ici... N'est-ce pas? Et c'est comme ça que je suis allé au Sénégal, parce que ça existe au Sénégal, ça existe au Cameroun, ça existe en Côte d'Ivoire, ça existe dans... C'est bantou. C'est bantou. C'est africain, négro-africain. Et j'ai intitulé mon travail de licence la psychopathologie, l'approche négro-africaine. La maladie mentale, l'approche négro-africaine. N'est-ce pas? Et j'ai travaillé là-dessus. Parce que, je me dis, nous devons arrêter ce mimétisme. Nous devons arrêter du copier-coller. Nous devons arrêter de concevoir notre développement en fonction de ce que les autres ont fixé comme critères, ont fixé comme normes, parce que ces critères et ces normes relèvent de leur réalité. Monsieur l'abbé, vous n'avez pas eu de problème en tant que prêtre d'approcher cette philosophie parce que on a dit que c'était satanique, etc. Vous n'avez pas eu de problème? J'ai pas eu de problème. Ah, dans quel sens? Dans ce sens que j'ai abordé la question comme psychologue clinicien. Et comme prêtre, eh bien, je me dis, il y a une approche, n'est-ce pas, qui va dans le même sens. Qui va dans le même sens. Parce que quelque part, quand on regarde tout ce que Jésus a fait comme miracle et tout, par rapport à des guérisons miraculeuses et tout ça, mais ça relève de la culture juive, de la culture juive, de la société juive, de son époque, n'est-ce pas? Ben aujourd'hui, ça ne serait... si il revenait aujourd'hui, il ne ferait pas les choses de la même manière qu'il a fait en ce temps-là. Donc vous conseillez le Ebola, par exemple? Ben oui, ben écoute, je dirais, on peut s'inspirer. Voilà.
du Ebola, n'est-ce pas, pour avoir une approche de la psychothérapie africaine, n'est-ce pas, qui va entrer dans les réalités, le vécu du monde négro-africain, le monde culturel. Au lieu de dire que l'enfant, c'est satanique, on va prier. Ce n'est pas nécessairement. Vous savez, au-delà de ce qu'il a dit, on a un autre problème, c'est on ne respecte pas nos textes ou on ne lit pas assez. Tout ce dont on parle ici, il y a des solutions écrites qui existent, mais on n'applique pas. Dis-moi, si on avait appliqué le 1/10 du manifeste de l'Ancelé, on serait où? On serait très haut. Quand on réfléchit aujourd'hui, vous prenez le manifeste de l'Ancelé, vous prenez les conclusions de la conférence nationale souveraine, tout est dit. Tout est dit, mais aujourd'hui, on n'y pense même pas. C'est-à-dire que mais est-ce que vous avez lu? Ce sont les intelligences qui ont... Oui, c'est-à-dire, est-ce que vous avez lu? Non. Est-ce qu'on peut adapter? Oui, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait un plan. Je disais tantôt que le métro de Paris a pris 100 ans. C'est-à-dire que si vous avez une idée aujourd'hui, on peut commencer quelque chose. Mm-hmm. Et peut-être ne pas aller à 100 ans, parce qu'on peut faire des raccourcis. On peut aller et puis on va évoluer calmement. On se dit, bon, on va prendre cette forme ici de développement pour le cuivre. Nous allons travailler notre cuivre ici. Ok. Pour comment les gens peuvent mourir de faim dans le Kivu? Parce qu'ils préfèrent manger le frétin et eux ne mangent pas les pondous, ils ne mangent pas les légumes parce que... Et il y a les poissons quoi. Sur la terre la plus fertile du pays. Ignorance. Il y a des gens aujourd'hui qui pouvaient lui dire que la chenille c'est une solution à la sous-alimentation. Comment voulez-vous... Quand vous dites aux gens, le légume c'est important pour la santé, pourvu que vous le mangiez avec plaisir. Oui, mais ça va donner des résultats. Vous savez qu'il y a des coins de la République où les hémorroïdes sont la maladie nationale. Parce que les gens ne consomment pas les légumes. Donc, ils ont des problèmes très sérieux. Mais ils ne savent pas qui va leur donner l'information. Ou ils résistent. Parce qu'on n'a pas bien donné l'information. Donc, c'est tout ça qui nous met en position de ne pas jouir suffisamment d'un si beau pays qui nous appartient. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, cette émission est terminée. Le seul conseil que je peux vous donner, il est bien simple. Franchement, n'écoutez pas cette émission en bavardant. C'est un conseil. Il y a de la substance dans cette émission. Ce n'est pas parce que je la fais, parce que je réunis des personnes intelligentes. Et que je la fais depuis longtemps, et je crois que ça correspond à plusieurs universités. Toutes ces intelligences qui viennent avec moi vous donner cette bonne parole. Eh bien, écoutez-la, cette bonne parole. Et ça contribuera au développement de ce beau et grand pays que nous aimons. Monsieur l'abbé, je vous remercie. Merci. Maître Magala, je vous remercie en réitérant ce que j'ai dit tout à l'heure et à laquelle vous avez dit que les clients vous entendent. Merci de nous avoir suivis.